Go. Ambient light just dropped a lot. Yeah. Should we do some horizontal? Yeah. Because otherwise I think we're gonna run out of time. Yeah, let's bring the other girls in. But as more as I live there. Okay, so show me your positions. Alice, hands. When you come in, you're in the middle. Okay. Alice, come this way a little. Yeah. And go. C'était le dernier jour où la grande nef du musée était vide. Donc du coup, ils ont dû en profiter pour faire l'affiche. Bien d'accord. Ouais. Donc toute l'expo qui va avec. Cette exposition est vraiment exceptionnelle dans le déploiement qui lui est donné au sein du musée des arts décoratifs. C'est à peu près 3000 m² qui sont consacrés à cette exposition et tous les espaces d'exposition temporaire du musée ont été rassemblés pour former un seul et même espace. Certainement la plus grande exposition consacrée à un sujet de mode jamais organisé à Paris. Alors le Louvre, j'ai vu le directeur des antiquités égyptiennes, Vincent Rondeau, extrêmement sympathique, à qui j'ai montré toutes les photos de la collection égyptienne. Il était tellement enthousiaste qu'il me dit « je vais vous passer une vingtaine de prêts possibles ». Il y a notamment une absolument une merveille, une statue assise à tête de bélier, un truc somptueux, vraiment somptueux, et qui reprend, parce que le corps est très naturaliste, mais reprend cette idée tout d'un coup d'une tête complètement étrange par rapport à la collection qui est sur ses masques, c'est pas mal. Le buste qu'on a repéré dans les books de recherche de Galliano, alors ils l'ont, et je pense que on a assez insisté, que voilà, je dis que ça serait très très beau, le torse d'Ine Nefertiti, c'est vraiment une pièce très importante de leur collection. Très bien. Est-ce qu'on regarde d'autres thèmes? Alors, c'est la salle suivante. Je pense que tout le monde s'arrache les cheveux pour savoir dans quel ordre on va faire passer tout ça. Le projet a commencé par la rédaction d'une sorte de synopsis, c'est-à-dire une sorte de structure d'exposition. À partir de ce scénario, Olivier a commencé à faire des recherches d'œuvres d'art, de tableaux, de mobilier, d'objets d'art. Et moi, de mon côté, j'ai travaillé sur la sélection des robes, des accessoires, de tout ce qui était plutôt mode. Tu vois, on aurait... Bon, c'est pas encore arrêté tout ça, mais on a plutôt des robes de M. Dior au premier plan. Et puis, cette fameuse collection de Raph Simons en fond de décor. Est-ce que sur cette idée du Trianon, tu penses à... Écoute, nous, on a regardé. Nous, on n'a pas des choses royales, mais on a des choses approchantes. On l'a fait en tandem, c'est-à-dire avec deux points de vue, deux sensibilités, deux parcours. Et donc de regard aussi sur l'évolution de la maison Christian Dior, sur Christian Dior lui-même, sur les époques successives de Christian Dior. Et donc on a vraiment choisi comme ça de se partager les rôles et en même temps d'être extrêmement complémentaires. Ça, c'est des objets très Monsieur Dior, mais je pense que c'est trop, ça va capter trop l'attention. Je pense que le sujet, c'est aussi quand même la mode et le contexte de la mode. Mais on a dans nos collections plein de petits objets de parure, tu vois, ça peut être très vivant, des nécessaires de couture, en émail. C'était tellement le goût, un de Monsieur Dior, deux de ses clientes, quoi. Non, je ne suis pas inquiet. Christian Dior était très proche du musée des arts décoratifs. Il a appris sans doute beaucoup de choses sur les arts décoratifs et le monde textile à travers nos collections et nos expositions.
dans les années 50, et après le succès de sa maison, Christian Dior redevient un collectionneur important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Christian Dior va prêter un certain nombre de pièces pour une exposition importante que le musée organise à l'automne 1955, consacrée aux ébénistes parisiens du XVIIIe siècle. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que nous avons trouvé dans les archives du musée le fait que la direction du musée annonce aux rédacteurs et rédactrices en chef des journaux, des magazines de l'époque, qu'à l'occasion du vernissage de l'exposition, une présentation de modèles habillés par M. Christian Dior sera offerte au public du vernissage. Ce qui est, je crois, le premier cas de défilé de haute couture au sein d'un musée dans une exposition temporaire. Dans le cas de Dior, il y a toujours eu des liens très forts, très naturels, du point de vue de l'histoire, entre le musée et la maison. Aussi quelques croquis, alors peut-être aussi dans la section de l'atelier par exemple. Oui, tout à fait, ça serait très bien de pouvoir montrer un petit peu comment ça se passe, comment une collection est créée depuis le point de départ, le croquis de Monsieur Dior jusqu'au modèle réalisé. Voilà, c'est ça. Donc ça serait très bien. Il y a aussi des chartes du coup, peut-être. Oui. Donc, ça c'est merveilleux parce qu'on voit la sélection de tissus. Tous les codes qui sont déjà présents déjà. Au départ. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait regarder peut-être, je sais pas, Jean-François Ferré ou Marc Bohan, les croquis Oui, les croquis de Ferré sont très intéressants, ils sont très colorés. C'est ça. Il a vraiment une patte. Oui, on peut regarder ça. Ah oui, alors ça, c'est une robe très importante. Très très important, ça pourrait peut-être être quelque chose qu'on pourrait retenir, oui. Et puis le prince de Galles et les différentes matières aussi, des matières très légères, des matières plus très masculines. Tous les noms des mannequins et des numéros de passage, donc on comprend aussi l'ordre et comment la collection se compose. C'est dommage qu'on n'ait sans doute pas la place de tout exposer. Ce serait merveilleux d'avoir vraiment un mur de croquis. Mais on risque de manquer de place. On va faire une sélection plus précise. Très bien. Et en fonction des robes aussi. En fonction des robes sélectionnées, En fin de la sélection des robes. Exactement. Aujourd'hui, nous avons été capables de fournir, entre guillemets, les arts déco grâce à nos propres pièces, mais aussi nous avions détecté où étaient les autres pièces, puisqu'il y a d'autres musées dans le monde qui en possèdent. Donc tout ça a permis de réunir plus de 300 robes. Les possibilités de prêt étaient très importantes, aussi bien les robes du musée de la Maison Dior que toutes les propositions de robes venant du Metropolitan Museum de New York, du De Young Museum de San Francisco, également le Victoria and Albert Museum, le musée de Londres, que les robes du musée des arts décoratifs.
Au musée des arts décoratifs, on conserve environ 700 pièces liées à Dior, des accessoires, des robes. C'est un véritable chantier de restauration qui se met en place. L'idée, c'est quand même de garder le volume de la fleur et puis de lui redonner un petit peu de tenue, quoi. Elle était toute refermée, en fait. Et au lieu d'utiliser de la chaleur qui casse les fibres et qui accélère en fait les réactions chimiques de dégradation, on utilise des techniques à froid. Donc, c'est des ultrasons qui transforment l'eau liquide en micro-micro-gouttelettes. Le patrimoine textile, c'est quasiment ce qu'il y a de plus fragile et ce qu'il y a de plus compliqué à exposer. Spatule de chirurgie, scalpel. On va voir dans le domaine chirurgical, on va voir dans le domaine de la couture, on va voir dans le domaine scientifique. On va aller emprunter à gauche, à droite, des choses où tout d'un coup on se dit tiens, ça pourrait accompagner mon geste. On utilise aussi des plaques de verre quand on a la possibilité de travailler à plat pour maintenir le tissu dans la position dans laquelle on a choisi de le mettre. Il y a des petits trous qui sont apparus et donc ça s'est dégradé. Et si on ne fait rien, bah, ça va s'amplifier. L'objectif, c'est de pouvoir présenter ces pièces aujourd'hui, mais on doit être aussi garant de pouvoir les présenter dans un siècle, dans deux siècles. Et ça, c'est la mission du musée, c'est transmettre et conserver. Et parfois, c'est un petit peu en contradiction. Là, j'ai 66 de tour de taille. Moi, j'aime bien dire que les restaurateurs sont un peu, on appelle ça des philologues. La restauration, c'est aussi un moment d'observation privilégiée d'une œuvre. C'est un moment où on va regarder, on va prendre des mesures. Et ça apporte un regard évidemment complémentaire, précieux pour connaître les caractéristiques d'une collection. Moi, j'ai bien aimé travailler sur le tailleur bar pour donner le volume des hanches, donc cette espèce de basque, hein, cette silhouette qui est caractéristique du new look. On a vraiment à l'intérieur comme des petits coussins, des petits paddings qui vont venir enfler cette zone-là. Donc c'est marrant de voir et de comprendre les trucs. Le tailleur bar est un emblème, pas seulement de la Maison Dior, mais de toute l'histoire de la couture et de la mode, et on pourrait dire du costume. C'est très rare dans l'histoire de la mode, un moment où il y a une rupture aussi définitive, une révolution qui se déploie en une collection. C'est rarissime, il n'y a quasiment pas d'autres exemples. Ah, waouh! Oh, magnifique! Ah, c'est superbe! Le tailleur bar, c'est véritablement le manifeste du new look. C'est l'emblème de cette mode qui est apparue comme révolutionnaire, bien que Christian Dior la voyait comme rétrograde. Il emploie ce mot, c'est assez amusant, un peu provocateur. Il voulait en fait ramener sur le devant de la scène une élégance qui avait été perdue pendant la guerre et l'occupation. Le milieu de la couture était extrêmement malmené par la guerre et l'occupation, du fait de la fermeture d'un salon de maison, du fait de la volonté affichée par le pouvoir nazi de transférer la capitale de la couture de Paris à une autre ville qui aurait été Berlin peut-être. Et le milieu de la couture en a évidemment beaucoup souffert. Le style de la guerre était fondé sur quelque chose de très géométrique, à angle droit. C'était vraiment dessiné sur des rectangles et des carrés. C'était très masculin, très militaire. Et lui oppose à ça la restauration du règne de la courbe et d'une ligne qui est faite de plein et d'ailier et qui dessine une femme fleur. Et la position des mains est parfaite. Hein. La position est parfaite et ça donne ce côté un peu dansant. Les bras vers l'arrière, le bassin si en avant, ça permet de repenser à cette photo de 57 que tout le monde a dans l'œil. Oui. En fait. Et avec cette fameuse position de danseuse de ballet classique. Oui. C'est vraiment ça. Très beau. J'adore comment le plissé se déploie. Oui, se déploie. Et celle dont je te parlais, sur laquelle on a travaillé, c'est là. Et le problème de la ceinture Tu vois une épingle là, par là? Non. Ah oui, et la ceinture. De la ceinture est résorbée. Totalement. Et on avait remarqué qu'en fait, le façonnage des boutons de cette robe, qui est de 47. Oui, c'est ça. C'est la même chose que ça. Ah ouais. C'est des boutons recouverts. Alors, tu te souviens qu'on voyait là? Ah oui. Ah, d'accord, très bien. On va rajouter ça. Ah oui, tu as fait descendre un peu plus bas le drapé d'épaule. C'est parfait.
C'est bien, hein, ça, c'est fabuleux. Très, très beau. Magnifique. Est vraiment une adaptation du corps aux vêtements et non pas du vêtement au corps. Au moment du mannequinage, il y a du padding, il y a de l'ajout de volume pour essayer de restituer la silhouette d'origine. Et les équipes travaillent à partir de photos d'archives et donc elles observent aussi à quelle hauteur tombe la robe, si la robe est accessoirisée ou pas. Donc elles vont rajouter les volumes nécessaires jusqu'à retrouver une image et une idée le plus proche possible de l'état d'origine de la création. Ce que je viens de faire, c'est chercher de distribuer les poids de cette robe, qui a un grand jupon. Je vais vous montrer. Hop. Un jupon avec des paniers et des baleines. Voilà. Comme la robe, elle est très très grande et elle pèse beaucoup, donc il faut trouver un système pour la retenir sur l'épaule, comme ça, et ça, qu'il soit bien posé sur la poitrine. Donc, comme on ne peut pas mettre un lien et faire un gros nœud au dos, parce que les dos c'est joli, il faut les montrer, ce que je suis en train de faire, c'est de coudre des serges noirs dans certains endroits de tension, mais qui ne changent pas la forme de la robe en même temps. Donc, un, deux, trois ici. Et il faut que ça n'abîme pas la robe, que ça résiste 6 mois, qu'il soit réversible. Donc, il faut penser qu'elle soit résistante, mais pas trop. Tu l'as mis. Bah là, j'ai mis juste une protection. J'ai mis une ah, d'accord, t'as rien mis. Il n'y a rien mis. Donc, je suppose qu'il faudrait des hanches. Parce que je ne savais pas, je pensais qu'elle était plus serrée sur le mannequin. Oui, moi, je pense qu'il faut effectivement lui mettre des hanches pour la tenir. Du ventre et des fesses. D'accord. Moi, je ne mettrais pas le ventre, un peu de fesses. Et puis redescendre la ligne là. Elle ouais. Doit être plus basse. Mais là, il y a de la face aussi. Là. Il faut mettre peut-être une petite bande de watts pour remplir. Droite. Mais faut pas, ouais, mais droite, faut pas qu'elle ait de poitrine dessinée. Oui. Il faut bien lui mettre des hanches et des fesses pour la stabiliser, ouais. C'est un travail de sculpteur, en fait. Il y a cet énorme travail de mise en valeur des robes et cette tentative, je dirais un peu désespérée, de se rapprocher de la magie du défilé et de la magie d'une robe portée par un mannequin vivant. On a vu qu'on avait 3 types de mannequins. On a les mannequins couturières, comme celui-là. Sur mesure, donc ça a été peint dans la couleur de la robe. Les mannequins en pied, en noir, chaque mannequin arrive déjà avec son latitude, c'est-à-dire qu'on a plusieurs positions de tête, on a plusieurs positions de main, comme ça, comme ça. Et ils ont tenu compte effectivement de chaque vêtement. Et donc Olivier Gabé et Florence Muller, vous leur avez peint toute la sélection. Oui, justement, Florence, elle avait initié l'idée de commencer par le blanc, justement, pour commencer par l'étoile, et d'aller ensuite vers la couleur. C'est très bien que ça fonctionne par bloc de couleurs, qui est tous les accessoires de la femme, mais qui a un esprit comme ça, un peu cabinet de curiosité. Il y a combien de pièces à peu près dedans, vous savez ou pas? Ça va durer... Tant de dingue pour monter tout ça. Tout compris dans le colorama, si vous comptez les grandes robes, les petites robes, les illustrations, on est sur 650 pièces à peu près. Impressionnant. Ça, c'est du raf, c'est le printemps 2013. Printemps 2013, oui, exact. Mmh. C'était la deuxième collection, dont on a issu avec cette robe-là. Qui est également de Jennifer. Ouais. Par contre, cette robe-là, c'est peut-être un peu trop gros. Ça va avoir du mal à rentrer dans les vitrines. Donc, bon, après, on en a d'autres dans ces coloris-là. Donc. Mmh. Éventuellement, on peut se concentrer sur des choses unies, oui. En plus, comme elle a 2 couleurs. Ça, c'est Margot. Oui, oui. Ça fonctionne très bien dans le vert. Et celle-ci, vous les mettez dans l'or? Ça serait fantastique, oui. C'est magnifique. Bien sûr. Celle de Coca, et puis tellement, oui, tellement typique. Vous avez un achat d'une cliente. Impressionnant, oui, c'est magnifique. C'est magnifique, oui.
C'est le flacon Misia. Ça, c'est le flacon Bobby, le chien Misia de 52 avec sa boîte. Il l'a fait restaurer. Ouais. C'est important d'avoir pas mal de parfums. Là. Une façon aussi de montrer la couleur, les maquillages, etc. Ouais. Parce qu'il y a d'autres là, attendez. Bon, on a de Lady Dior, ça c'est bien. C'est important. Vedi Saint Laurent. No, tocca, 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 mettila. Cioè, sono tutti imbottiti, tutti precisi. Qui c'era una sacco di doppia che hanno sistemato. We were saying that it's absolutely wonderful that the people can see very closely, you know, all the details. Because haute couture, you just see images. You have no access to this. Oh, yeah. And suddenly, for many people, that's a gift. Yes. Yeah. That's a gift. Vedi che c'è la calza. No, it's my first time. Yeah. Cioè, guarda che carini. You're nice, no? Ah, guarda come sono fatti bene! Perfetto! Oh, super nice! Guarda! No! Guarda, non posso dettagliare la mano! Fa tutto preciso, vedi qua? Guarda! Guarda che bello! Cioè siamo pronti per Mattel. We are ready to move to Mattel. There was really, you know what, when I saw this, because I saw that, they were so impressed. Ça, c'était la robe de Lorraine Hutton, non? Ouais. Marc Brown, Lorraine Hutton. Ouais. That's Mr. Dior, this is John Fashardy, this is Raf Simons, and this is Mr. Dior. Cette année, c'est les 70 ans de la maison. Il était important, je pense, de montrer le travail, bien sûr, de Monsieur Dior, mais de ses créateurs successifs. It's impossible to speak about Dior and not about the other talent designers that worked for long in this company. Les directeurs artistiques qui ont repris en main les destinées de la maison après Christian Dior sont à la fois des gens qui ont rendu hommage au fondateur, mais aussi c'était tous des personnalités très fortes, très souvent d'ailleurs en rupture les uns par rapport aux autres. Saint Laurent, Marc Bohan, Ferré, Galliano, Raf Simons, they are part of our heritage. Ça a commencé avec Yves Saint Laurent. Lui, vraiment, il ouvre les fenêtres sur l'avenue Montaigne et au-delà, sur Paris, dans toute sa diversité. Et il fait entrer toutes les vibrations et toute la richesse et la vie que l'on observe dans la rue. Il le fait d'une façon la plus spectaculaire avec la collection dite Beatnik. En référence au mouvement qui agite la jeunesse à ce moment-là, c'est très très remarqué, très remarqué par les magazines. Beaucoup ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer, mais ils vont comprendre que c'est cela que la jeunesse attend. Quand Marc Bohan arrive, c'est le début des années 60, et Marc Bohan se présente comme quelqu'un qui va créer en fonction du désir des femmes. Sa première collection qu'il signe pour la maison Dior, le Slim Look, le dit, mais littéralement. Le look amincit et le vêtement aide à amincir la silhouette et à la rajeunir. Il le dit d'ailleurs dans les interviews, il dit au fond, je fais une forme de nouveau classicisme. Et dans le contexte de l'époque, ça passe presque pour une provocation. Une des idées dominantes de la fin des années 70, des années 80, c'est tout le mouvement post-punk. Prendre cette position de classique, c'est assez risqué. Les jeunes femmes qui vont par exemple au bain-douche peuvent tout d'un coup arriver habillées avec un petit tailleur hyper strict, presque par opposition, par provocation. Au lieu d'arriver en post-punk,
eh bien, on arrive tiré à carte épingle avec un petit collier de perles. C'est vraiment une attitude très rock. Gianfranco Ferré arrive à la fin des années 80 et c'est quelqu'un qui a reçu une formation d'architecte. Donc pour lui, le vêtement doit d'abord être bien construit. Mais il ajoute à ça un sens, je dirais, très italien de l'ornement. Il a vraiment un style qui est flamboyant, qui est dans la tradition de Monsieur Dior, mais qui est plus extravagant et certainement lié à un sens du baroque qui est typique de l'Italie, notamment de l'Italie du Nord. Les croquis, on les a montés avec des points photos très simplement. D'accord. Sur des cartons neutres. Mm-hmm. Très bien. Et donc, il y a un bord tournant. Donc là, il y a un bord tournant de 2 mm. Mm-hmm. Permet de le fixer sur un support, donc on peut prévoir ça aussi. Et alors d'accord. Là, pareil, il y a une question de choix. J'ai oui. préféré garder une marge oui, pour pas que ça puisse rentrer en contact avec la peinture de mer. Ouais. C'est le seul qui est comme ça. C'est qu'on peut penser que ça fait partie du document d'origine. Est-ce qu'on peut découper ça à la forme? Ouais. On peut. Ouais. L'architecture de l'avenue Montaigne se mélange totalement à l'architecture des arts déco, donc on ne sait plus finalement qui était là avant. C'est ça qui est assez intéressant. En fait, c'est comme de l'aïkido, quoi. On utilise la force de l'autre pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Et là, on le sentait avec cet escalier qu'on pouvait faire quelque chose. Donc en recréant cette avenue Montaigne, Dior est vraiment chez lui aux arts déco. C'est ça qui est assez extraordinaire. La scénographie des arts déco oriente le placement des thématiques puisque les espaces qu'on a à disposition sont radicalement différents et que du coup il faut trouver un petit peu comment les utiliser à leur juste mesure. Dans les espaces, les thématiques se sont réparties grâce à l'architecture. Je pense que cette exposition, si on la fait ailleurs, elle serait complètement différente puisque l'architecture serait complètement différente. Là, on utilise le lieu comme une force. Je pense que ça, c'est vraiment le point d'entrée pour la scénographie. On est dans une progression, on est dans un scénario et à chaque fois il y a des rebondissements. Donc chaque salle finalement est un rebondissement par rapport à l'autre parce qu'il faut tenir le visiteur en haleine et chaque salle invite finalement à aller voir autre chose. Et puis on a travaillé avec la Méduse parce qu'on avait envie aussi de donner un petit peu de vie à tout ça. On travaille très très souvent ensemble et on a travaillé pendant presque un an à faire des projets, des conceptions. L'audiovisuel peut amener une dynamique dans des robes qui là sont présentées de façon statique, alors que ce qui fait aussi leur vie, c'est d'être portée. Donc on s'est dit, travailler sur l'architecture égale mapping. Première chose, on va transformer la nef des arts décoratifs, une nef 19e siècle, en Versailles, en galerie des glaces. On a 16 énormes projecteurs dans la nef, chacun diffuse un bout de film, donc il faut tout caler extrêmement précisément à l'architecture. Il y a un aspect de conception artistique et créative, mais qui est liée à une partie de conception technique. Et dans nos métiers, le dialogue entre la technique et l'artistique est très important. C'est important de choisir l'équipement pour que le film soit le mieux possible. Voilà, le mieux diffusé, le plus grand ou le plus petit. C'est toujours du sur-mesure, en fait. On s'est dit, ce qui est intéressant, ce serait peut-être d'habiller cette nef au même titre que Dior habille les femmes pour le bal et les magnifie. Donc on va travailler sur l'architecture. Donc c'est une nuit de bal dans la nef. L'audiovisuel, je dirais, aide à donner cette vie qui manque un peu aux robes quand on les pose sur des mannequins. Et en même temps, avec toujours cette difficulté qui nous intéresse particulièrement, qui est de respecter un contenu et de mettre en valeur ce que le commissaire d'exposition veut mettre en valeur. L'audiovisuel ou la scénographie, c'est pas du premier plan, c'est un écrin. Thank you.
Dans cette partie des jardins, on a développé, on les appelle des invasions. Ce sont des différents types de végétation présents dans les jardins de Monsieur Thuor. Le travail manuel, il faut bien traiter chaque morceau de papier, le plier pour lui donner le volume. Je pense que Christian Thuor aimait la ville. C'était un Parisien, certainement. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin de la nature pour se ressourcer. Il y a des photos d'ailleurs qui le montrent, installé dans son jardin en train de dessiner ses petits croquis et qu'il va ensuite ramener à Paris dans les ateliers. Donc il a besoin à la fois de la ville, mais au moment où il dessine, il a besoin de faire le vide et de sentir cette nature autour de lui pour créer sa collection. Encore. Oula, ça craque. Elle est certainement déstabilisée par le... Parce que le bout des pieds a été coupé et remonté dans les chaussons de danse pour qu'il y ait le... Comment elle se tient réellement ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça sa posture, oui. Exactement. Moi, j'ai l'impression que le chausson est de travers, là. Il va peut-être falloir l'installer... Oui, à partir du pied et fixer la pointe du chausson dans une structure qu'il a... Parce que là, le geste est très étrange. Enfin, la position des jambes est très, très étrange. Ce geste ne convient pas. Ben non, parce que c'est là... Alors, comment est-ce ? Je pense que c'est la jambe qui n'a pas de... qui n'est pas articulée dans ce sens-là. Ah oui, vous avez raison. Une des grandes difficultés des expositions de mode, c'est lorsqu'on place les robes sur un plan, c'est très difficile de se rendre compte de ce que ça va donner dans la réalité. Une robe peut avoir des milliers de possibilités sur une structure qui a été dessinée pour elle, et tout cela est évalué au moment de la mise en place. Dans un défilé, le public est assis. Dans une exposition, le public marche et se déplace. L'aspect visuel est la première chose qui va capter son attention, qu'il faut regarder tous les points de vue. Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, il y a du volume vers l'arrière. Totalement. Et l'autre, il est un peu massif, je pense qu'il faut le garder à trois quarts comme ça. Oui, c'est pas mal comme ça. Pas couper l'image, on va remonter un peu. Ah oui, d'accord. Ne pas remonter un peu parce que des fois on est contraint. D'accord. Bon, il faut penser aux chaises roulantes, malheureusement, ça va être compliqué. C'est quand on est assis, ben oui. Ça fait même ça. Quand tu veux lire le document, ouais. Malgré tout, tu te rapproches. On se rapproche, c'est absolument. Un peu un choix, parce que quand tu te rapproches, du coup, tu vois la différence. Oui, mais quel choix adopter ? Est-ce qu'on privilégie la vision en contre-plongée ou est-ce qu'on privilégie l'espace de vision vers le bas, quoi ? Pour les textes, il faut absolument qu'on puisse les lire. C'est très agaçant de ne pas pouvoir les lire. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut être le plus serré possible. Le plus serré possible. Oui. Une visite, ça prend entre une heure et deux heures. Et le visiteur peut être fatigué au bout d'un moment. Donc, il faut vraiment penser à ça. Il faut absolument que sa curiosité soit sollicitée et qu'il se pose des questions et qu'il trouve des réponses. Est-ce que vous pouvez me le redresser, faire le constat du dos ? Autre chose à voir, monsieur ? Non, c'est bon. C'est bon. «
Christian Dior vient à la couture parce qu'il aime la peinture, parce qu'il aime l'histoire textile, parce que c'est un grand visiteur de musées à travers le monde. Et c'est ça qui le singularise, je crois, très fortement, et qui en fait un vrai sujet de musée aussi, aujourd'hui, en 2017. Alors, je me place. Vas-y, mon côté. C'est good. On a fait appel à d'abord les musées français, au musée du Louvre, au musée d'Orsay, au musée du Jeu de Paume, le musée Picasso, le musée national d'art moderne, le centre Georges Pompidou, le musée de Versailles aussi. Alors, je pense qu'il faut... Allez, on y va. Plus près du podium, à l'aplomb du podium, est-ce que c'est idiot ou quoi ? Là c'est un peu trop sur le podium, oui. Voilà. C'est mieux hein, par rapport au boîtier. Hein ? C'est mieux, hein ? Depuis Monsieur Dior jusqu'à aujourd'hui, ce dialogue avec l'art est extrêmement étroit, très riche, presque consubstantiel à l'image qu'on se fait aussi de la maison Christian Dior et des créations de couture de la maison depuis Monsieur Dior. C'est pas juste un plaquage publicitaire ou finalement une sorte de garantie comme ça, de bon goût. L'idée n'est pas de dire que la mode est intéressante parce qu'elle est inspirée par l'art ou que l'art inspire la mode. C'est voilà, comment, quelquefois des décennies, des siècles de distance, voire des millénaires, le principe actif d'une œuvre d'art peut avoir sa réinterprétation dans le domaine de la couture. C'est vraiment l'idée de que chacun a sa place. Et pour moi, il n'y a pas d'hierarchie. Je pense qu'une création de haute couture aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles sont dans un musée, sont au niveau d'une très belle œuvre de peinture ou d'une grande pièce d'antiquité. Very proud that the hat, which is maybe the summit of creation and of stress and of physicality here in the exhibition, is the hat that I created for the Egyptian collection with John Galliano. In fact, I was making many, many different hats for that collection. I think this took 3 weeks to make. The pattern was made here in France. The resin was cut in Belgium, it was plated in England, and then final assembly was done back in France again. So it was a big logistic adventure to create. Il faut vraiment faire preuve d'inventivité autour de Galliano, dans les ateliers, à tous les niveaux, dans le choix des tissus, dans les ornements. Il y a vraiment un trésor d'imagination technique qui va être mis au point autour de lui pour donner corps à ses rêves. La transition avec Galliano est peut-être moins surprenante parce que les journalistes ont été habitués à ces défilés à grand spectacle de Gianfranco Ferré. Mais John Galliano va quand même surprendre parce que ses références sont autres, sa culture est complètement autre. C'est l'excentrique britannique, on le surnomme même le couturier punk. Les premières années, il va traverser l'histoire de Monsieur Dior et l'histoire de l'art et de la mode en s'arrêtant sur différentes époques, en s'arrêtant sur des personnages de femmes très fortes comme la marquise Casati ou la comtesse de Castiglione. Il a besoin de scénariser ses collections et d'habiller des véritables personnages, comme on le ferait sur la scène d'un théâtre. C'est vraiment la créativité à l'état pur, presque sans limite, parce que dans la création de mode, il y a toujours une limite qui est celle du corps de la femme, mais il essaye d'aller au-delà de cette limite. Je pense qu'il y avait au départ à peu près un millier de pièces, en tout cas du côté de la mode. Et on a réduit jusqu'à arriver au chiffre d'environ 300 robes. Cette sélection n'est pas complètement terminée. Au moment où on installe l'exposition, il y a encore un editing qui se fait. Et qui permet d'ajuster les choses et de faire évoluer la sélection au cours du montage.
Est-ce que dans cette collection, ce ne serait pas plus intéressant d'avoir une forme beaucoup plus accentuée qui évoque les paniers? Paniers, bien. Alors, avec on en a, on en a d'autres. Très volumineuse. Ah oui. Ouais. Ouais, oui. Et comment c'est, le volume est maintenu en dessous? Je pense qu'il y a des... Il n'y a pas de panier, mais il y a des volumes en tulle. Voilà. Ah oui. Il y a également celle-ci. D'accord. Et bon, alors, on ne l'a pas... Parce qu'on ne sait pas si le maître, voilà. Le Costume Institute va accepter le prêt. Rien que sur la photo, là, on voit bien. On voit bien oui, le, oh, le... Ouais, tout à fait. Peut-être que celle-ci serait plus intéressante, surtout si on pense aux éléments de mobilier, de toutes les comment dire, les objets d'art qui vont être associés aux robes, tout à fait, qui jouent beaucoup avec les dorures. Ah, et oui, les, là, oui, non, ça va être magnifique parce qu'on va avoir bien. À la fois une thématique qui cite en fait les grandes robes de cour à panier, très très volumineuses, et puis par ailleurs les robes de simplicité que la reine et ses amis portés à Trianon. On va avoir vraiment quelque chose de très très, très complet, complet en fait. Sur cette vision et ce regard porté sur le 18e siècle. Alors on va le faire revenir comme ça tu verras exactement le modèle de la robe. Raph Simons, quand il arrive à la tête de la maison Dior, est auréolé d'une identité de créateur belge issu de la Royal Academy d'Anvers, cette très prestigieuse école de mode. C'est en fait quelqu'un qui a été perçu beaucoup par les journalistes comme un minimaliste, mais en fait c'est très très réducteur parce que ce n'est pas que cela. La collection qu'il dessine en hommage au XVIIIe siècle est tout à fait exemplaire dans la façon dont on peut relire l'histoire sans aller vers le costume. Vu de loin, on comprend très très bien l'allusion au petit marquis, à l'habit à la française qui était porté à Versailles. Cette idée du XVIIIe siècle lui a donné une impulsion pour rechercher des coupes qui n'ont absolument rien à voir avec cette époque. La structuration du vêtement, par exemple, dans les robes à panier, qui vient amincir le buste. Dans les habits d'homme, c'est la même chose. L'habit se dégage et est porté sur un pull à col roulé avec des pantalons noirs. Donc quelque chose qui fait se rencontrer le XVIIIe siècle avec une tenue très quotidienne, en fait. Ce qui est intéressant chez Raph, c'est que quand il cite des moments d'histoire, comme par exemple David Bowie, enfin, les années 70, c'est jamais littéral. C'est toujours quelque chose qu'on doit comprendre, qu'on doit analyser. Il garde quelques éléments qu'il transpose dans sa propre sensibilité. Ça montre comment on peut créer une haute couture très nourrie d'histoire et de culture et en même temps très contemporaine. C'est bon? On est là. Tourne-le. Vous avez pris pour moi, s'il te plaît. Là. Ah, ah. 42, c'est tout là-haut, à côté du 75. Toutes avec les épaules vraiment hyper face. Toutes. Ouais. Tu vois là par exemple, on voit qu'il y en a une, elle n'est pas face-face là. Elles sont face-face et elle, elle est un peu. Ouais, il faut vraiment qu'elle soit hyper, hyper droite, toute. Hyper frontale. Merci.
Secondo me, I think it's nice that we see this kind of, that we see something black and grey like the skirt and the white. Cioè, se devo proprio capire, giusto trovare cet effet là, cioè a blocchi. Couture for me is timeless in any case. Couture speak about craftsmanship, it has to be more dreaming. You have to maintain the same quality, the same value. We are couture house. I never forget it. But at the same time, it's different, the audience. I think when people look at this exhibition, they will see the different types of expression of the human being through the ages. For example, just after the war, Monsieur Dior created fantasy clothes. He loved the idea of formality, this idea of dressing up. It was beautifully romantic and just exactly what women wanted to have. And it's very interesting to see how that has changed all the way through to Maria Grazia now. So I think that the look is a sign of our heritage, but at the same time, it's important to renovate also because the style of life is completely different than in 50. Those essences of what he proposed at the very beginning are still true now. What we don't have is we don't have that formality. Clothes have an ease and an appropriateness for a modern lifestyle. Honestly, today I think that it's not possible to speak only about clothes. We are speaking about women, person. My dialogue is with my time, and so I think it's very important to express we are all different, and we have to support the people to find a way to describe themselves. Fashion is close with the body, and that's very important because it's something very personal. Le chapeau. Le chapeau ? Ouais, c'est le pas ce pied-là. Et rebasculer. Le mannequin, voilà. Là, il penche. Non, non, le mannequin, il doit être plus vers l'arrière. Là, il le tient vers l'arrière. Ouais. Et moi, je dirais encore un petit centimètre, ouais, absolument. Voilà. Voilà. C'est bien. Il va ? Non, on ne refait pas. Ouais. C'est bien, hein. C'est fabuleux. C'est bon, on a l'expo, puisqu'on a la touche. C'est parfait. Ça fonctionne donc, pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. D'abord, ouais. Les Arts Déco, ils étaient contents. Il faut encore des tests sur la typo. Super. Le volant, on voit pas assez par rapport à... Non ? Il est trop petit, vous voyez, perdu. Attends, ça... Non, je pense qu'il faut pas. C'est ça, on préférait celle-là aussi. Oh, ben voilà, hein. C'est clair. Thank you.
utilisateur décoratif est très heureux de vous accueillir pour célébrer Christian Dior. Tout ce travail des couturières, de celles et ceux qui travaillent les plumes, les perles, qui sont aujourd'hui des savoir-faire recherchés partout dans le monde, dans le maire de Paris, je ne peux que vous dire merci. Such an incredible, expansive, comprehensive view of Dior, all the color and the variety over the years and the different visions of the different designers. Different fabrics, different years, different, you know, silhouettes, different waist sizes. And just the rich history of Dior and getting to see my dress. I haven't seen it since the day of the Oscars. L'histoire de cette maison a marqué non seulement une toute une époque, mais qui continue à imprégner sa vision. Et alors là, vous avez une robe quand même, qui s'appelle Monaco. Et puis bien sûr, les liens entre ma famille et la maison Dior sont évoqués de façon très, très discrète, mais de belle façon. C'est mieux que les manèges, quoi. C'est un truc, on ne sait plus. Moi, je peux rester des heures et refaire un tour, je vais revenir, je pense. Comme un peu syndrome de Stendhal, le propriétaire dit. Je suis un peu en choc. Ça, c'est la robe dans laquelle j'aimerais me marier, si à preneur. Toutes ces robes, corolles gigantesques, longues, je sais que c'est un peu désuet d'utiliser ce mot, mais vraiment, c'est une modernité féroce. Maybe the crocodile dress, but in the exhibition, it's kind of an Egyptian dog on the top. It's kind of incredible. I don't know, I'm so bad at talking about this. I'm... Une galerie de tableaux pendant à peu près 6 ans et puis après il apprend des sons de mode. Florence qui est avec nous depuis de nombreuses années, Jean aussi, Jean Tailleur. Et ça ce sont les fameuses toiles, parce que le dessin est traduit en toile. D'accord, la toile, le dessin est traduit en toile. Absolument. C'est ça. Ça, c'est le premier, jet. C'est premier jet. On travaille là-dessus pendant plusieurs semaines. D'accord. Donc, elle évolue. Et il y a une grande différence entre le projet de départ et... Maintenant, non. Pourquoi maintenant, non. Parce qu'avant, la robe finale était loin d'être comme le coquille. Oui. Mais avec là, c'est une vision immédiate de ce qu'elle veut. I try. She's a woman. Hein, ça ne nous a pas échappé. Heureusement qu'il y a les femmes dans la vie, non? Pour inspirer tout ça, non? Parce que vraiment, c'est nous, les femmes, qui inspirons toute cette beauté, toute cette créativité, finalement. Alors, vive les femmes. La beauté, il faut la partager. C'est obligé. Moi, j'ai vraiment la sensation, quand je travaille sur une grande exposition comme ça, de travailler dans le contexte d'un tournage de film. C'est exactement ça. La diversité des professions qui sont nécessaires pour concourir à cette œuvre commune est absolument impressionnante. Tout le monde doit travailler dans le même sens, c'est comme dans un film, et on travaille sur des séquences. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec des tonalités plus sombres, des tonalités plus claires, des salles plus douces, plus calmes, puis tout d'un coup des choses plus fortes, et puis une progression jusqu'à la fin, et la fin c'est l'acte 5. C'est très touchant et ça te transporte. C'est une grande déception pour moi que ce ne soit pas mon dressing. Donc j'aurais beaucoup aimé être dans chacune de ces robes un jour, peut-être dans une de mes vies, ou chaque soir dans un de mes rêves plutôt. Entre l'or et les taffetas de soie et le travail qu'on ne réalise pas. Depuis le défilé jusqu'au musée, il y a une suite logique qui a une valeur beaucoup plus universelle et qui peut s'adresser aussi à des publics très, très variés.
Ce qui m'intéresse, c'est à la fois la beauté du vêtement, comment il est fait, mais aussi comment il avait été porté. La sociologie du vêtement m'intéresse énormément. Je trouve que c'est à la fois un objet qui peut être contemplé, et avec Christian Dior, c'est vraiment ça, parce que les robes sont parfois juste très très belles, splendides, mais c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre comment ces vêtements ont été portés, ce qu'ils ont signifié à un moment donné, quel est le contexte, comment ça s'inscrit dans une sensibilité, dans une manière de voir le monde et de sentir le monde.